Bon les gars, vu que ça finit sur une qualité et qu'il faut les départager, le seul moyen qu'on a trouvé c'est de faire un sondage Instagram avec juste Elliot d'un côté et William de l'autre, et celui qui a le plus de votes perd et donc aura perdu ce challenge. Et peut-être qu'il y aura un petit tatouage, peut-être qu'il y aura un petit gage, on verra. Bref, on se tient au courant. Ok les amis, on est donc le lendemain soir, il est 21h, ça fait donc 24h que la story est en ligne et on va donc voir qui va se faire tatouer un tatouage choisi par les deux autres candidats. Bon, du coup on va les appeler en direct sur Messenger pour annoncer le grand perdant du coup, donc c'est parti. Ah, il y a tout le monde, c'est parfait. Ça va les filles? Ça va. Un peu stress ou pas du tout? Non, ça va. Alhamdulillah. Bon, du coup, ben, les résultats étaient très serrés. En fait, celui qui va se faire tatouer samedi les gars, c'est... Ouais, c'est Elliot. T'as perdu gros avec avec 22 votes contre 13 votes pour William. Genre tu t'es fait laver mec, genre. Dommage. Dommage. Voilà les amis, c'est le jour J. Elliot va se faire tatouer. Ça y est, on y est. Est-ce que tu stresses un peu quand même ou pas? Bah en vrai, j'ai anticipé le moment, mais là j'assume plus là. Ah quand il sera, ça sera encore pire, tu verras. Bref, du coup on a choisi avec William le motif qu'on voulait faire et au final on a choisi quelque chose qui lui correspondait plutôt bien dans la vie de tous les jours et qui en même temps avait un rapport avec le lancer de hache. C'est tout simplement stay focused. Alors tout simplement parce qu'au lancer de hache, s'il était resté un peu plus concentré, il aurait peut-être pas fini dernier et du coup il aurait pas eu à se faire tatouer. Et en même temps dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui lui correspond plutôt bien. Quand on le connaît, je pense que ça lui fitera bien. Vu que c'est son premier tatouage, histoire de lui laisser un petit peu le choix, on lui a laissé le choix de la typographie et il a voulu le faire en braille. Je me suis dit pourquoi pas. En vrai c'est plutôt stylé, on a vu le résultat vite fait à main nue. Ça va être vraiment classe, donc bref, on va au salon, c'est parti! Les gars, tatouage terminé, on a fait le gage jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, mettez un maximum de partage sur cette vidéo parce qu'il a porté ses couilles, il s'est fait tatouer. Donc gros GG à lui. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you. Je veux dire, je vous remercie d'avoir voté pour moi sur Instagram. Ah ouais, j'avoue. Je vous aime en tout cas. Ouais. Femme de bâtard. On y va? Je vais là aussi, hein. Quand même. Tu sais qu'il y a des fois où on a vu où je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et là, tu te dis ça? Ouais. Si, t'as-tu d'autres tatous? Non, c'est mon premier. C'est le premier. Ah, ok. C'est parce que j'ai perdu un défi là, il faut que je me fasse tatouer. Ah, j'ai enlevé. Ah, c'est là, regarde, SDC. Non, c'est le H. Est-ce qu'on n'est pas chaud pour une revanche? Non. Attends, mais tu vas pas avoir qu'un tatouage, mais avec deux, c'est quand même mieux. Oui, mais non. Ouais, ça va, je suis bien là. Ouais? Et tu viens, c'est chill là, gros, t'es chill. Je trouve ça beau. Après, je sais juste pas si l'aiguille fait mal ou pas, mais ça. Ah. C'est comme un cutter, tu vois. Parce qu'on entend tout le monde dire ça fait mal, mal, mal. Il y a des endroits qui ont plus mal. Ouais, c'est sûr. Take it ici, tu vas trouver someone else. Ok, c'est bien, c'est bien. 20 minutes later. Hey Rose, oh yeah, I'm finna pop, yeah, baby, hit the spot like summer and some dipping dots, jackpot sound coming at you through a different slot, you can try your luck but end up missing from it.